Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va regarder la danse practice de Everglow qui se nomme First. C'est une des danses practices que j'ai le plus envie de voir sur les titres sortis mi-fin mai. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est une de celles que j'attendais le plus, qu'il y a des mouvements que j'aime bien dans le refrain, là, quand elles partent à moitié là en arrière là, à moitié en bougeant comme ça là. Vraiment j'adore, ça doit pas être pratique, enfin faut avoir un très très bon équilibre à mon avis pour ce mouvement, mais en tout cas voilà, j'avais envie de voir la chorégraphie en entier. Quoi, je suis désolé, mais je commence à avoir des fourmis dans les jambes à force d'étendre. Si on califourchon depuis tout à l'heure, enfin pas en califourchon, en tailleur plutôt. Donc voilà. Donc on va enfin pouvoir lancer la danse practice. Donc ça part en arrière. Bon là aussi il y a des danseurs supplémentaires. Ces mouvements-là, ils sont incroyables. Hein. J'aime beaucoup la nouvelle fleur de cheveux de Mia. Ouais, c'est ça que je parle. T'as vu un petit mouvement là, de balance hein. Attends, écoute-toi, ça démangerait le pantalon comme ça. Après, il en fait un peu de théâtre. Je sais qu'une fois que t'es parti, tu penses plus, mais... Ça, par contre, elle est vachement gros. Hein. Je vais pas me tracer si c'est Aisha aussi, Ifriam, qui a son pantalon bizarre. Mais... En tout cas, elle est vachement gros. Hein. Enfin, comparé aux autres, en tout cas. Hein. Et ben, au final, j'ai bien fait de
de la garder, on va dire, entre guillemets, en dernière pour la journée, parce qu'elle était vraiment pas mal. Hein. Vraiment, c'est une très très bonne dance practice, mieux que le MV. Pas que le MV soit mauvais, mais comme je disais quand j'ai fait la vidéo, le problème c'est que, comment dire, il y a des mouvements de caméra tout le temps, tout le temps, tout le temps, et t'as pas le temps d'apprécier les mouvements, les artistes et tout, on n'arrive pas à voir leur tête. Même là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles sont assez éloignées de la caméra, donc j'arrive pas à distinguer les visages de certains membres. Donc Irène, bon bah je l'ai reconnue tout de suite. Honda, pareil, je la reconnais très bien parce que c'est la seule blonde. Mia, avec ses cheveux bleus, elle est facile à reconnaître, donc déjà ces trois-là, c'est tranquille. Bon, après, Iyu, je sais pas trop comment se prononce son nom, de l'ancienne leader, pareil, elle est assez facile à reconnaître. Par contre, Aisha et Sirion, comme elles sont très loin de la caméra, et puis là, il n'y a pas énormément de mouvement, mais le fait qu'elles soient loin, je n'arrive pas à distinguer les autres, que je pense que de près, j'arriverai à les distinguer maintenant, mais là, j'y arrive toujours pas. Mais à part ça, c'est mieux parce que même si elles sont assez loin de la caméra, qu'on voit pas super bien leur tête et tout, là au moins on voit toute la danse, on peut vraiment tout distinguer, tous les mouvements et tout. En plus, c'est ultra dynamique, c'est super. Honnêtement, ouais, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Moi, j'adore, et je pense que je vais peut-être plus regarder le MV, enfin la danse practice, que le MV. Parce qu'elle est vraiment très très bonne. Et ouais, je pense que... Oui, je voulais juste finir avant de finir la vidéo, que j'avais à moitié deux théories sur le nom de ce titre, First. En sachant que l'album s'appelle Last... Alors il y a Last Memories, et l'autre version c'est First Memoire. Et en fait, sur tout ce truc là, j'avais une théorie, c'est que d'un côté il s'appelle Last Melody ou First Memoir, ou même le titre s'appelle juste First tout court. Ça peut être d'un côté le fait que ce soit la dernière mélodie pour la partie Last Melody, c'est la dernière mélodie en tant que rookie, parce que faut pas oublier que Everglow a commencé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier vite fait quand même pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Everglow, ça je sais qu'il y a 6 membres, je connais leur nom aussi. Ouais, le 18 mars 2019. Donc en gros, effectivement, là ce titre, c'est leur premier titre depuis qu'elles ne sont plus des rookies. Donc d'un côté, comme la chanson a quand même été créée pendant qu'elles étaient encore des rookies, puisque tu ne fais pas une musique en claquant des doigts, d'un côté, c'est vrai que ça a pu s'appeler Last Melody, ou l'album comme ça qui s'appelle, dans le sens où c'est, effectivement, c'est le dernier son en tant que rookie. Aujourd'hui, ça y est, elles rentrent dans la cour des grands, elles sont... à chaque fois, dans ma tête, je me dis c'est un vrai groupe, mais honnêtement, les rookies sont aussi des vrais groupes, mais c'est qui sont un peu à part, sachant qu'ils ont ces 2 ans de rookie, un peu comme s'ils devaient faire leur preuve et après entrer dans la cour des grands. Même si on voit qu'il y a des groupes comme aespa ou ITZY qui font très très rapidement leur marque parmi les rookies, ou même Everglow qui a très très rapidement eu un énorme succès et tout ça. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus des rookies, donc c'est pour ça qu'on peut dire, à la fois Last Melody, c'est les dernières chansons en tant que rookie, mais en même temps First Mémoire, puisque c'est les premiers souvenirs en tant que groupe non rookie. Donc voilà, il y a un peu sur leur statut rookie, non rookie, où les titres peuvent coller. Et il y a une autre théorie que j'avais, c'est sur le fait que il y a eu un changement de leader. Ce qui fait qu'avant, c'est... je l'appelle IU, je sais pas vraiment comment se prononce ce nom, le E2.U. J'ai aucune idée comment ça se prononce, mais... on va dire que c'est IU. Je pense que ça doit être ça. A laissé sa place de leader à Sirion. Et du coup, ça peut coller aussi, parce que d'un côté, la Last Melody, du coup, c'est sa dernière chanson où elle a...
Enfin, où elle était leader et où en même temps elle fait sa passation à Sifion. Elle est toujours dans le groupe, mais elle veut plus. Enfin, je ne sais pas si elle veut plus être leader. Enfin, je ne connais pas les raisons de ce changement de leader, mais en tout cas, Yu ne quitte pas le groupe. Et voilà, et d'un côté, les First Memoirs, ce titre First, ben, c'est également une première pour Sifion en tant que nouvel leader du groupe. Donc voilà, c'est un peu les théories que j'avais sur tout ce truc de Last Melody, First Memoir, First, le titre et tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces petites théories, voilà, c'est un truc qui m'est venu en tête comme ça. Et dites-moi ce que vous avez pensé également de la Dance Practice, qui je trouve est très 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 bonne. Donc voilà. En tout cas, on se retrouvera très bientôt, notamment sur l'unboxing, enfin pas unboxing. Pour Everglow, puisque l'album, là où j'enregistre, on est le 2 juin. L'album, je le reçois à la fin de la semaine. Mais du coup, je vais l'ouvrir pour mon anniversaire, histoire d'avoir un cadeau de mes parents à ouvrir. Et du coup, ben, comme je le garde pour quand je vais fêter mon anniversaire, ben, du coup, je l'aurai déjà ouvert. Donc, je saurai déjà ce qu'il y a dedans. Donc, je vais pas vous faire l'offense de faire semblant. D'être surpris de faire oh waouh, j'ai eu Mia en carte. Non, j'ai pas envie d'être comme ça, je préfère être naturel. Donc je vous montrerai ce que j'ai eu honnêtement sans partir dans de la fausseté, quoi. Voilà. Donc dans le cas d'Everglow, c'est sûr, ce sera voilà, une présentation de l'album, enfin, du moins des deux, parce que j'aurai les deux versions. First Melody et enfin Last Melody, First Memoir. Donc voilà, on se retrouvera en tout cas au niveau des Verglos pour cette vidéo-là. Allez, ciao les Anacalypsiens.